Tout d'abord, il est essentiel de comprendre ce que veut dire avoir du style. Améliorer ton style rapidement, ce n'est pas copier une tenue qui t'a plu, c'est avant tout savoir composer avec de belles pièces de sorte à ce qu'elles correspondent à ta personnalité. Et ça se travaille que ce soit au niveau de la coupe, des matières ou encore des couleurs. Voici donc quelques étapes qui t'aideront à améliorer ton style. Le premier réflexe à adopter, pense long terme. Mieux vaut acheter une chemise de qualité plutôt que d'acheter trois chemises de qualité médiocre au même prix. Attention, je ne dis pas que le prix est toujours représentatif de la qualité. Si tu penses long terme et que tu regardes l'achat d'un vêtement comme un investissement et non comme une obligation, tu amélioreras ton style avec des produits mieux finis et mieux coupés. Deuxième étape, fais le tri dans ton dressing. Il y a sûrement des vêtements que tu ne mets plus car tu ne les trouves plus à ton goût ou qui sont abîmés par le temps qui passe, par exemple. Pour moi, il y a 10 basiques qui doivent être présents dans ta garde-robe. Un jean brut, une belle ceinture en cuir, un blazer, quelques t-shirts bien taillés, une paire de souliers en cuir, une chemise blanche habillée, une paire de sneakers, quelques pièces en maille, un pull ou un cardigan, un manteau d'hiver en laine et quelques chinos. Une fois que ton dressing a été trié, tu pourras mieux identifier ce qui te manque en pièces essentielles pour parfaire ta garde-robe et ton style. Donc ne commence pas à fonctionner par tenue, mais bien par pièce. Assure-toi bien d'avoir tous ces basiques avant d'envisager des pièces plus fortes, car ces pièces fortes, par exemple une veste en cuir, seront difficiles à maîtriser si tes pièces basiques ne sont pas optimales. Si tu as tous les basiques cités et qu'ils sont de qualité, alors tu pourras te faire plaisir sur les matières et les couleurs. Voilà donc dans la prochaine vidéo, on verra comment maîtriser les contrastes sur une tenue. À plus, ciao!